Salut mes amis, bonjour. Aujourd'hui, on va déguster un vin de la Rioja, d'une de région de l'appellation d'origine contrôlée la Rioja qui s'appelle Rioja Alavesa. C'est une bodega qui s'appelle Eguren Ugarte, pas loin de La Guardia, un village magnifique qu'il faut visiter. C'est en réserve. Vous avez le vin de réserve de la Rioja, il faut qu'il soit 3 ans minimum entre barrique et bouteille, un an minimum de 3 en barrique. Celui-là, ils ont décidé de faire quelque chose de spécial. C'est-à-dire, le réserve de Rioja, c'est ce que vous attendez tout le temps, c'est le classicisme. C'est un vin classique. Vous trouvez ce côté boisé, ce côté fruité, mais très, 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 très mûr, même un peu vieux, un peu vieux fruit. Mais celui-là, quand on le sert, déjà, vous allez le voir, vous allez l'acheter, vous allez le voir, la couleur est très, très foncée. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Une vendange tard, avec une très haute maturité de fruits. On a un temps en barrique très sélectionné pour pas avoir de pertes de couleur. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. On va les goûter. D'abord, on va faire le nez. Voilà, ça c'est pas ce qu'on attend. On attend Reserva de Rioja, on attend les boisés, autant les fruits mûrs, très mûrs. Mais celui-là, on a un côté fruité frais et balsamique en même temps qui est vraiment magnifique. Moi, je dirais jamais que c'est un réservoir de Rioja. C'est quelque chose de très curieux. On va les goûter. Voilà, avec la couleur. Qu'est-ce qu'on attend quand on voit un vin avec une couleur si dense, si foncée que celui-là? On attend une tannicité, une intensité profonde, intense. Mais celui-là, il est très souple. On sent absolument tout, mais il est très très facile à boire et très long. Je sens le vin dans ma bouche qui continue à évoluer. C'est un vin que je pense qu'il faut l'ouvrir 20 minutes, une demi-heure avant la consommation parce que c'est vrai qu'il va changer beaucoup. L'exercice, vous pouvez l'ouvrir, le goûter et attendre un petit moment pour regoûter un deuxième verre, un troisième. Et surtout, toujours, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de ce vin que vous avez goûté. Merci, au revoir.